Selon certaines statistiques de la cellule de planification et des statistiques du secteur de l'administration territoriale, fonction publique et sécurité intérieure, en 2019, environ 13 206 femmes de catégorie A ont été recensées au Mali. Parmi ces nombres, il n'y a que 3 076, soit 19% des femmes, qui travaillent dans la fonction publique malienne. C'est pour inverser cette tendance que l'Agence belge de développement ENABEL a organisé cette rencontre avec les acteurs du domaine. Il y aura des modules où les participants vont parcourir tout le cycle du développement, depuis la conception jusqu'à la mise en œuvre, jusqu'à l'évaluation, et voir à chaque étape de ce cycle comment on tient compte des besoins spécifiques des hommes et des femmes dans la mise en œuvre des opérations de développement. Sur l'effectif global, les femmes représentent 5,66, à peu près 6%. Les données de 2019, on n'a pas encore validé pour 2020. Le chiffre est très minime quand même. Mon souhait est que ce serait mieux si on pouvait augmenter ce chiffre. Cette initiative de ENABEL vise à bâtir un monde où les relations sont construites sur l'égalité, la diversité et la solidarité. Déjà, il y a des dispositions qui ont été prises et qui sont en train d'être appliquées. Bien vrai que ça soit un peu timide, mais ça va permettre de renforcer ces dispositions, telles que le pourcentage de 30% au niveau des postes de décision, au niveau des postes électifs, tout cela. Vraiment, il faut multiplier ces renforcements des capacités à l'endroit vraiment des associations, à l'endroit des cadres, à l'endroit vraiment des différentes couches, pour que les gens soient formés vraiment réellement sur le genre, c'est-à-dire l'approche intégrée de la prise en compte du genre dans les politiques de développement. Donc ça, c'est très important. Ça permet quand même de lancer un développement harmonieux au niveau du pays. Cette rencontre permettra d'instaurer un échange entre les partenaires concernés sur les stratégies et les bonnes pratiques permettant d'intégrer et de renforcer l'égalité des femmes et des hommes dans le contenu des politiques publiques.